Alors le principe du composteur électromécanique, c'est de fabriquer du compost beaucoup plus rapidement qu'avec un composteur classique qu'on va avoir dans son jardin. Et donc la machine qu'on voit derrière, elle est composée de quatre parties qui vont permettre au compost en 15 jours de sortir et d'être directement utilisable sur les divers jardins de l'association L'École Verte ou des citoyens en général. L'idée du fonctionnement du composteur électromécanique, c'est que les habitants fassent un apport de biodéchets. Donc il va y avoir des points d'apport volontaires disposés sur le quartier, où les habitants vont avoir un système en autonomie avec un badge où ils vont pouvoir déposer leurs biodéchets. Et notre opérateur va aller faire le tour du quartier et les récupérer dans ces bornes-là. Et ensuite, il y aura un apport plus professionnel, entre guillemets, de la part de restauration collective, école, collège, ça peut être d'autres associations ou des restaurants de quartier qui vont avoir en fait une manne de biodéchets que nous, derrière, on va valoriser. Il y a une deuxième collecte qui est faite en fait sur une semaine, qui est effectuée partout en vélo. Et là, ils collectent des restaurants plutôt du centre-ville. Donc, ils amènent les biodéchets jusqu'ici, qui viennent faire un apport complémentaire au composteur. Une fois que le compost en fait sort de la machine, du composteur électromécanique, il est mis à maturer sur un site qui s'appelle le pré. Et ensuite, il peut être utilisé là-bas, sur nos autres sites d'agriculture. Il peut être distribué à des habitants ou même à des agriculteurs qui souhaiteraient avoir un compost hygiénisé.